Gardez ça. Tout ça, ça a juste tombé cette nuit. Genre, on a legit plus d'entrée, genre. Pis là, je sais pas si vous voyez à quel point il neige, là. Sûrement pas, parce que c'est dur à montrer, là, mais... Oh mon dieu, il neige tellement! Bon matin! J'espère que vous allez bien. Il est 8h30, puis je viens de finir le montage de mon vlog. Je l'ai fait directement en me levant. Pis là, je vais m'apprêter à déjeuner, fait que je vais prendre un yogourt grec à la lime avec une banane. Puis en même temps, je vais écouter des vidéos parce que le samedi, c'est la journée pour écouter des vidéos. Fait que c'est ça pour le moment. Aujourd'hui, on ne sortira pas parce que comme vous avez vu la tempête que je vous ai montrée, ben dans le fond, c'est que hier, il faisait comme 9 degrés. Puis il a mouillé toute la journée. Fait que là, ça a fait de l'eau. Puis là, d'un coup, il s'est mis à faire, mettons, à faire genre moins 7. Fait que tout a gelé. Fait que tout, c'est tout à glace. Puis il y a à peu près un bon, là... Il y a peut-être un 10 cm de neige de tomber, puis on annonce encore 10 dans la journée, puis tout. Fait que c'est vraiment pas une journée pour sortir. C'est comme de la neige avec de la glace en dessous. Fait que on ne sort pas de la fin de semaine. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, puis on se reparle tantôt. Regardez, j'avais pelleté mon balcon, là, 2 jours. 3 jours peut-être. Puis hier, à cause de la pluie, mais il n'y avait plus aucune neige aussi. Fait que là, je vais vous montrer dans le fond. Ça, c'est le plancher. Même plus bas que ça. Ça, c'est le plancher. Puis ça, c'est la neige. Fait qu'il y a comme tout ça de neige. Fait que... Ouais. Puis là, c'est vraiment la tempête. Et ça continue. Toute la journée. Salut! Il est rendu 11h30, midi peut-être, je sais pas trop. Là, Jérémy vient de venir... Ben, en fait, je recommence ma phrase. Le voisin du bloc d'à côté est venu cogner à la porte parce que, comme là, vous savez, c'est tempête dehors. Puis le monsieur, il est pas capable de partir sa souffleuse. Comme, il a toujours été capable, mais là, comme une fois, il était pas capable. Fait que là, il a demandé à Jérémy. Jérémy a été capable, genre, en un coup ou deux. Après ça, le monsieur a essayé de la repartir. Il a pas été capable. C'est encore Jérémy qui l'a reparti. Puis là, à un moment donné, Jérémy a décidé de faire le tour de mon auto. Parce que, tu sais, la dédaigneuse de mon bloc, elle passait comme pas... Tu sais, elle passait pas comme pas à côté de mon auto parce que je suis comme dans un parking plus serré, là. Fait que la neige s'est empilée là, mais depuis le début de l'hiver. Fait que Jérémy avait pris la souffleuse pour passer à côté de mon auto. Puis elle avait été capable de la partir. Fait que là, le monsieur vient de sonner pour demander à Jérémy de partir sa souffleuse parce que lui, il est pas capable. Fait que c'est ça. Puis là, moi, je suis en train de faire... ma liste de ce que je veux qu'il y ait dans le buffet pour la fête à Jackson parce que je vais tout faire moi-même là, fait que je veux savoir d'avance. Puis là vous allez, je suis sûre que vous trouvez que je sors trop tôt là, mais non, tu sais, moi je veux vraiment prévoir mes choses d'avance puis savoir ce que je fais, puis pas comme être pris à la dernière minute à faire quelque chose ou pas faire quelque chose puis blabla. Puis c'est ça, ben tu sais, quand je vais envoyer mes invitations, ben le monde va me répondre, fait que tu sais, je vais avoir le nombre de personnes qui viennent dans le fond là. Fait que c'est ça que je fais pour le moment. Jérémy joue à ses jeux vidéo, puis ça va être comme ça toute la journée. Fait que je vais essayer de me trouver quelque chose à faire de ma peau. Ça risque de pas être très concluant comme journée. Un petit vlog plate pour aujourd'hui sûrement. Fait que c'est ça, on se reparle tantôt. Jackson, tu fais pro... Oh! Oh non! Il est rendu 1h30, je viens d'aller coucher Jackson parce que dans le fond ce matin je l'ai couché pour faire une sieste. Puis il a comme littéralement pas dormi pantoute. Fait que là il doit être vraiment fatigué mort. Puis là je me suis pris des trucs comme à grignoter dans le fond parce que j'ai pas dîné puis j'ai pas full faim, mais je sais qu'il faut que je mange un peu. Fait que je me suis pris genre un yogourt grec avec des fruits. Fait que c'est ça. Puis là, Jérémy est encore en train de gamer. Comme d'hab. Fait que là, je suis dans ma chambre. Je me suis dit tant qu'à rien faire dans le salon à l'entendre parler, mais je vais venir rien faire dans ma chambre. Fait que c'est ça.
Puis tantôt, ma belle-mère est supposée m'appeler parce qu'elle est revenue de voyage hier. Puis on s'est parlé un petit 2 minutes puis elle, parce qu'elle voulait voir Jackson, dans le fond. Mais Jackson avait l'air bête comme ses pieds, là. Fait que c'est ça, fait qu'elle va me rappeler tantôt pour essayer là, de d'y reparler puis qu'il soit joyeux, tu sais. Mais je sais pas si elle travaillait aujourd'hui parce que sinon, elle m'a rappelé ce matin, mais je pense qu'elle travaille. Fait qu'elle va m'appeler plus un peu plus tard. Fait que c'est pas mal ça pour le moment. Je vais écouter des vidéos. Salut, il est rendu 5h40, puis je m'apprête à aller finir mon souper dans pas long. Mais avant, je voulais vous parler de quelque chose qui se passe, genre, depuis le début du mois de décembre. Puis là, inquiétez-vous pas, c'est rien de grave ni rien, là. C'est juste une situation que je ne comprends pas par rapport à YouTube, dans le fond, par rapport à une vidéo. Début décembre, Gabrielle Marion a sorti une vidéo par rapport à sa voix d'homme, parce que tout le monde disait qu'elle avait la voix grave et patati patata. En toute cette vidéo-là, j'ai simplement commenté que j'avais dit à Jérémy, genre, « C'est-tu un gars ou une fille qui parle, selon toi? » Puis il m'a dit, « Ben, c'est une fille, mais c'est un peu grave. » Tu sais, la voix est un peu grave. Fait que j'ai fait comme « Ouais, exactement, tu sais. » Puis j'ai dit que moi, je voyais plus le fait qu'elle avait une voix d'homme parce que je vois un corps de femme puis que moi, dans la vie, je suis pas capable de me dire que une femme a une voix d'homme, dans le fond, ou qu'un homme a une voix de femme. Donc, j'ai simplement commenté ça. Et à peu près une fois par semaine, depuis le début du mois de décembre, je me fais insulter en dessous de ce commentaire-là comme quoi que je mens, que... Tu sais, genre, comment tu fais pour savoir dans la vie que je mens par rapport à ça? C'est ma perception des choses, c'est pas la tienne. Ben, si c'est pas la tienne, garde-le pour toi ou mets un commentaire ailleurs qu'en dessous du mien, tu sais. Mais je me rends compte aussi qu'il y a des gens qui sont super d'accord avec moi. Sur mon commentaire, j'ai 264 likes. Ce qui veut dire qu'habituellement, quand les gens likent, c'est parce qu'ils sont d'accord, on va se le dire. Ça fait qu'il y a des personnes qui viennent m'insulter gratuitement pour me dire que je mens, que je dis n'importe quoi, que « Ah, c'est pas parce que toi, ton chum, pis toi, tu l'entends même que tout le monde doit l'entendre de même. » Je suis comme « Ouais, je le sais. C'est comme pas à toi que je disais ça. » Je disais ça à la personne concernée qui est Gabrielle Marion. Tu sais, c'est pas... Je dis pas ça pour y faire plaisir ou quoi que ce soit, là. Je m'en contrefous. Je fais juste dire ce que moi, personnellement, je pense, puis que je trouve que le monde sont caves de prendre le temps d'aller l'insulter ou d'y dire des affaires de même. Puis ça donne que, en y disant que moi, je pense pas comme ça, ben les autres viennent me dire que eux ils pensent comme ça. Eux, c'est bien important qu'ils pensent de même, tu sais. Fait qu'il y a encore une fille aujourd'hui, là. On est le quoi? On est le 13, 12, 13. On est le 13 janvier. Cette vidéo-là a été postée le 3 décembre. Puis encore du monde qui vont dans les commentaires puis qui vont m'écrire que je mens, que je dis n'importe quoi, que... En tout cas, pour de vrai, là, je pense que si je prends le temps, là, je vais vous mettre autour de moi. Présentement, les commentaires que j'ai reçus en tout ce commentaire-là, simplement parce que ça n'a aucun bon sens, tout ce qui a pu se dire, genre, en dessous de mon commentaire. Tu sais, en ce moment, il y a 11 commentaires, mais il y a des choses que moi, j'ai répondu, j'étais comme « Ok, mais je te dis rien à toi, là, tu sais. » J'ai resté quand même super polie, mais là, je vous dirais qu'avoir encore un commentaire aujourd'hui, là, ça m'a fâchée. Puis 3 fois, je pense, je dis « Ok, merci, le sujet est clos, on en revient. On peut passer à autre chose dans notre vie, là, tu sais. » Parce que juste... T'sais, habituellement, je devrais juste pas répondre à ces personnes-là. Mais je tiens à leur dire que leurs commentaires servent absolument à rien, tu sais. Fait qu'en tout cas, fait que je suis désolée pour cet élan de négativité, mais c'est quelque chose que je ne tolère pas dans ma vie de tous les jours. Le monde qui s'obstine par rapport à l'opinion de quelqu'un. Tu sais, mettons que je me teins les cheveux en bleu, OK? Puis là... Il y a quelqu'un qui me dit « Ah, oh, c'est full beau, j'aime vraiment ça. »
Puis que là, il y a quelqu'un qui vient de commenter en dessous. Hey, t'es-tu folle, toi? Les cheveux bleus, c'est laid en sacrament, blablabla. Puis que là, il y a eu un débat. Tu sais, je veux dire, si t'es pour me dire que t'aimes pas mes cheveux, fais juste pas me le dire ou écris-le dans un commentaire unique. Pas obligé de bâcher les autres parce qu'eux autres, ils trouvent ça beau, tu sais. Fait que c'est ça. C'est un sujet dont je ne parlerai plus. J'ai quasiment envie même d'aller supprimer mon commentaire parce que c'est fatigant, là. Vraiment, à chaque semaine, quasiment, je reçois des commentaires par rapport à ça. Fait que c'est ça. Fait que là-dessus, je m'en vais finir mon souper. Puis on va s'en parler tantôt. Salut! Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Il est rendu 9h45. Depuis le temps que je vous ai parlé, ben j'ai soupé. Je me suis entraînée avec Zach parce qu'il aime beaucoup ça. Puis là, je me suis downloadée l'application, genre, tu sais, où tu dessines comme de la peinture à numéro dans le fond, là. Mais là, genre, ça fait une couple que je suis, puis là, je commence à avoir mal aux yeux, là. C'est fou, j'étais là, puis je clignais des yeux de même, là. Puis on dirait que j'étais prête de, comme, replacer ma vue. Fait que, c'est ça. Fait que là, je m'apprête à aller me coucher bientôt. Parce que Jérémy joue encore, puis j'ai rien de mieux à faire. Fait que je vais aller me coucher. Mais genre, avant, je voulais vous montrer, dans le fond, parce que Zach, il y a un chandail comme jaune fluo, là, quasiment, là, que j'ai acheté dans le temps des fêtes, parce que à Sherbrooke, il y a un CPC. Il y en a vraiment plus partout. CPC, c'est genre le magasin où ma mère m'habillait quand j'étais jeune, puis il y en avait un à Green Bay, puis ils l'ont enlevé, c'est parti, puis je pense qu'il avait dit comme genre qu'il faisait faillite ou une affaire de même, ou je sais pas trop, mais il y en a vraiment plus partout. Mais au à Sherbrooke, il y en a un. Puis, tu sais, CPC, c'est pas cher, là. Puis comme ma belle-sœur, elle s'est trouvé une robe à 5$, genre, puis elle est super belle, puis tout. Fait que moi, j'en ai profité pour Zach. Au lieu d'être à 27, je pense que ses pantalons, il était à 18. Puis son chandail, au lieu de 14, il était à 7. Fait que c'est ça, mais là, c'est ce que Zach, dans le fond, c'est comme moi, tout ça, là, pour vous expliquer que Zach a un chandail jaune fluo. Puis, dans sa chambre, à Noël, il a reçu une lampe OLED. Puis, elle a fait du bleu, du rose, ben rose-rouge, là, moi je dis que c'est rose, là. Ou du mauve. Puis Zach l'avait toujours allumé sur le bleu. Mais avec le chandail, ça fait un effet genre black light, ok? Fait que je vais aller vous montrer de quoi ça a l'air. Mais avant, je vais vous dire bonne nuit. Puis on se revoit demain!